l'impact que je voudrais avoir, c'est d'aider les personnes à se sentir mieux, à se sentir mieux dans leur basket de manager. Je suis Jeanne Alkaznaoui, je suis mentor, coach et formatrice et experte en management et en développement des compétences comportementales. C'est parti pour la journée qui passe à toute vitesse parce que ben, je suis aussi maman et avec les formations, l'administratif, les coachings, les appels téléphoniques, ben, on n'arrête pas. Le défi le plus fréquent qu'on rencontre, c'est de convaincre la personne de sortir de sa zone de confort. Parce que quand on parle de communication, de management, ben, à un moment donné, il faut essayer sur le terrain, dans la vraie vie. Et ça, c'est pas facile. Le plus dur, souvent, c'est tout ce qui a trait à la motivation individuelle. Être capable de vraiment commencer à faire du management individualisé. Ce que j'adore, c'est justement d'aider les personnes qui se forment à réfléchir un petit peu à leur réalité. Quand on est devant un parcours tout e-learning, c'est vrai qu'on a du mal à se challenger, à aller tester un petit peu les outils, les concepts qu'on a vus de manière un peu théorique, même si les vidéos donnent plein d'exemples, même si les vidéos sont souvent ancrées dans la réalité d'un manager, il faut aller voir ce que ça fait dans sa propre équipe, qu'on soit manager ou pas. Ça peut être avec un collègue, que ce soit aussi dans la vie personnelle ou professionnelle. C'est à la personne de s'engager dans la formation. Nous, formateurs, coachs, mentors, on a un pouvoir limité. Donc mon job, ça va être vraiment d'aider la personne à s'engager. Et pour ça, je la questionne beaucoup. Et je l'aide à faire en sorte que ce qu'elle apprend, elle ait envie de l'appliquer dans sa réalité au quotidien. L'impact que je voudrais avoir, c'est d'aider les personnes à se sentir mieux, à se sentir mieux dans leur basket de manager, de chef de projet, de leader, de collaborateur. Vraiment, cette idée de confort, pour moi, elle peut être apportée par le développement des compétences. Pour vraiment bien profiter de sa formation, l'idée, c'est déjà de bien s'organiser. Donc, fixez-vous du temps dans votre agenda, des petites tranches d'une heure, une demi-heure, peut-être hebdomadaire ou quotidienne. Essayez d'adapter en fonction de votre agenda comment vous pouvez vous former. Ne faites surtout pas la formation condensée sur un jour ou deux.